Hey yo à tous, c'est Ekar et on se retrouve pour une vidéo news sur Fortnite. Et les potos, oui vous avez entendu du coup un chien faire le ronron. Et oui tout à fait, mon chien est encore sur mes genoux. Je pense que ça va devenir la mascotte de la chaîne YouTube. N'hésitez pas à donner un surnom à mon chien dans les commentaires, j'aimerais bien savoir un petit peu. La dernière fois on l'a renommé la serpillière, donc bon. Pourquoi pas? Alors ma foi, les potos, aujourd'hui je suis là sur une news. Donc j'ai pas préparé la vidéo, donc ça va être un petit peu du tac au tac. Mais une news vient de sortir du coup récemment. Et ça a été confirmé du coup par Donald Mustard, qui est le créateur d'Epic Games. Il y aura du coup une variante du skin Harley Quinn qui va sortir sur Fortnite. Alors pour ceux qui ne revoyaient pas encore une fois ce que c'est Harley Quinn, on va tout simplement vous montrer, parce que moi j'ai le skin. Donc Harley Quinn, voilà, tout à fait. Donc c'est ce skin là, d'accord les potos. Donc sachant qu'on a déjà donc deux variantes sur ce skin, donc on a déjà cette variante là plus du coup le skin principal. Alors il faut savoir que du coup il va y avoir un nouveau skin Harley Quinn. Donc ça va pas en fait rajouter des variantes à ce skin là, d'accord. Ça va faire un petit peu comme le skin Fournaise et le skin Renegade Rider. Ce sera les deux mêmes skins si vous voulez les par là, mais ce sera du coup deux skins différents, d'accord. Donc je vais vous montrer du coup à quoi ressemble la nouvelle variante de ce skin. Donc elle ressemble à ça, et je vais vous dire du coup comment il va falloir faire pour l'obtenir. Avant ça les potos, si vous pouvez du coup liker cette vidéo, vous abonner à cette chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Et les potos, n'oubliez pas que du coup je vous donne des informations qui sont quand même assez primordiales. Donc ça se trouve peut-être que sans moi vous n'auriez même pas su que ce skin sortait. Donc les potos, n'hésitez pas du coup à vous abonner et à liker cette chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Et aussi à mettre le code créateur Bokuni dans la boutique, voilà, donc c'est B-O-K-U-N-I. Voilà, donc merci à tous ceux qui le mettront encore une fois. Et sur ce, on reprend du coup la vidéo avec la patte de mon chien qui fait coucou. Ça fait plaisir. Alors, comme je vous ai dit les potos, du coup le skin va sortir de cette façon là. Donc comment il va falloir faire pour l'obtenir, ça va être assez simple. En fait il va y avoir plusieurs méthodes. La première méthode qui est la plus simple finalement, c'est que du coup à partir du 21 avril, il va du coup y avoir le skin Fortnite qui va sortir du coup via une BD, d'accord. Donc en fait ils vont sortir un petit peu comme les skins finalement, genre comme le skin iconique, comme le skin Galaxy, où fallait acheter un skin du coup, enfin le skin Galaxy, pour l'obtenir fallait acheter un téléphone Galaxy, d'accord. Bah là ça va être un petit peu pareil finalement, pour obtenir le skin va falloir acheter du coup une BD, mais c'est pas la seule façon de l'obtenir, rassurez-vous. Du coup les potos, sachez-le, donc là la news elle est là hein, juste en face. On peut voir que du coup c'est le 20 avril, donc vous allez comprendre pourquoi je dis le 21 après. Donc voilà, le 20 avril du coup la série va sortir donc 6 numéros, donc 6 BD. Vous allez comprendre pourquoi 6 BD, c'est utile d'avoir 6 BD hein, forcément. Donc elle va sortir en version imprimée et numérique. Donc faut bien comprendre que ça va sortir aussi en numérique, ça va être utile pour juste après. Donc faut savoir que ça c'est une BD qui va sortir uniquement dans certains pays. Donc il va sortir en avant-première aux États-Unis, d'accord, aux States. Après ça va sortir du coup en Amérique du Nord, ça va sortir en Allemagne, en Italie, au Mexique, au Brésil, en Espagne et en République Tchèque. Alors vous êtes des génies, vous avez vu que du coup il n'y a pas le pays de la France. Ça ne sortira pas du coup en France pour le moment, mais rassurez-vous, le skin sera quand même obtenable. Pourquoi? Parce que justement, comme je vous ai dit, et ce qui est très important à comprendre, c'est qu'en fait, la série va sortir en version imprimée et numérique. D'accord? Donc enfin, la version papier va sortir uniquement dans ces pays-là, mais la version numérique sera achetable. Parce que bien sûr, bah, vous pourrez du coup avoir des VPN qui vous font passer du coup en Amérique. Ou alors, il y aura sûrement des sites et des petits filous qui partageront les codes pour avoir du coup ces séries-là. Donc vous en faites pas, en France, ça sortira bel et bien. Sachez que du coup, le coût de cette BD coûte 4,99€. D'accord? Donc avec les variantes et les cartes disponibles aussi pour obtenir les différents skin, ce sera 6€. Mais il y a d'autres façons d'obtenir ce skin. Donc là déjà vous pouvez l'obtenir pour 6€ en achetant une de ces 6 BD. Et si vous avez les 6 BD,
Parce qu'en fait, je vous explique tout simplement, en fait, dans la BD, il y a un code caché. Ce code-là, vous le rentrez dans Fortnite et vous obtenez du coup le skin Harley Quinn. Mais si vous obtenez du coup les 6 BD et que vous avez les 6 codes différents, vous obtenez en plus de ça du coup un skin Batman en armure. Donc là, on n'a pas encore de... On n'a pas la dévoile... Enfin, on ne sait pas à quoi va ressembler du coup ce skin Batman en armure. Mais du coup, si vous avez les 6 BD... Vous pourrez l'obtenir. Moi, je trouve que ça fait un petit peu cher parce que ça fait 6 euros par BD, 6 x 6. Ça va faire quand même énormément d'argent juste pour un skin Batman en armure. Après, vous jugez dans les commentaires si vous voulez le prendre ou non. Moi, personnellement, je trouve que ça fait énormément cher. Et de plus, comme je vous l'ai dit, ça, c'est la première méthode d'obtention. Donc, si vous voulez l'avoir en avant-première, il va falloir acheter une de ces BD. Mais si vous voulez, du coup, attendre un petit peu plus longtemps, ce qui sera possible, vous pourrez l'obtenir en boutique. Parce que il sortira, le skin sortira en boutique Fortnite dans tous les pays. D'accord? Et il sera du coup au prix de 1500 V-Bucks. Donc ce sera un skin donc DC Comics. Vous pourrez l'obtenir du coup au prix de 1500 V-Bucks. Et je trouve déjà que l'offre est un peu plus intéressante de juste attendre un petit peu. Pas forcément avoir l'exclusivité des premiers instants. Mais de toute façon, il va sortir en boutique. Donc bon, à votre avis, acheter une BD ou plutôt la prendre en boutique. Je pense qu'honnêtement, c'est plus facile. Au moins, c'est mieux de l'avoir en boutique. Sachez-le, du coup, encore une fois, je sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, mais ce sera un skin à part entière. Ce sera pas un skin, du coup, ce sera pas une variante adaptée du skin Harley Quinn. Donc, les personnes comme moi qui ont déjà le skin Harley Quinn, vous ne l'obtiendrez pas gratuitement, malheureusement. Ce sera forcément un skin payant. Mais du coup là c'est une des variantes et je vois il y a beaucoup beaucoup de gens qui s'affolent sur les réseaux, surtout sur Twitter parce que on suppose qu'en fait ce skin Harley Quinn là aura potentiellement une deuxième variante ou autre. Donc là je vous montre du coup une version en fait IRL, donc de la vraie Harley Quinn qui incarne dans le film du coup de la série etc Harley Quinn, et on peut voir du coup sa tenue qui ressemble énormément du coup à celle qu'il y a donc sur le skin Fortnite. Malheureusement, on peut voir aussi qu'il n'y a pas de blouson, tout simplement il n'y a pas le veston. D'accord? On peut voir aussi qu'il a des bottes entièrement noires, alors que là c'est des bottes un peu noires rouges, d'accord? Donc on peut voir que c'est un skin un petit peu différent. Donc les gens, dans les commentaires, dites-moi à votre avis, est-ce que du coup il y aura une deuxième variante cachée à ce skin? Est-ce que du coup cette variante-là sera adaptée et du coup sera mise en supplément sur le skin qu'on aura déjà du coup à partir du 21 avril, je répète, hein, et du coup ce sera potentiellement du coup pour la saison 6 de Fortnite. Donc voilà les potes, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon, en tout cas, je pense que je vous ai tout dit. Encore une fois les potos, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de mettre un petit abonnement sur la chaîne YouTube. Ça nous ferait extrêmement plaisir et ça nous aiderait. Et sur ce les potos, moi je vous dis ciao, bye bye, portez-vous bien et puis c'est tout. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les coms, je vous répondrai. Sur ce, ciao.